Alors, est-ce que vous avez des idées de prénoms? Oui, on en a même une assez précise. Oh, on peut savoir? Alors, devinez. Je te vois bien avec un prénom classique. Mathieu ou Paul? Non, c'est pas un apôtre. Christophe. Magnanime, je vous donne un indice, ça commence par un A. Albert, Arthur. Alban, Agnan, Arthénus. Non, mais c'est pas des prénoms, ça. Aymeric. Plus connu. Antoine. Plus original. Astérix. Mais c'est pas complètement con. C'est bien une référence littéraire. Une référence littéraire connue? D'Artagnan. Vous êtes vraiment nul, hein. Bon, alors vous donnez votre langue au chat? Ouais, la langue et toute la méchouilla. Allez, alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Adolphe. Tu ne vas pas l'appeler Adolphe? Si. Tu vas pas l'appeler Adolphe? Bah, si. Tu vas l'appeler Adolphe? Oui, comme le personnage du roman de Benjamin Constant. Tu vas pas faire ça, tu vas pas appeler ton fils comme Hitler. Ah mais non, justement, pas comme Hitler. Comme tu le sais très bien, le Adolphe de Hitler s'écrit avec un F, alors que le mien s'écrit P-H-E. Mais c'est pareil. F et PH, c'est pareil? Ah, je pensais que pour un normalien, tu serais un peu plus à cheval sur l'orthographe. Non, à l'oreille, c'est pareil. Adolphe, Adolphe, c'est pareil. Les gens ne vont pas entendre Adolphe. Ils vont entendre Adolphe, tu comprends? Comme dans éléphant. J'aime bien quand tu me parles comme un attardé mental. Excuse-moi, mais il faut être attardé mental pour ne pas comprendre qu'on ne peut pas appeler son fils Adolphe. Adolphe. Il va appeler son fils Adolphe Caravati Larcher. Ah non. Tu as changé d'avis? Ah non, j'ai pas changé d'avis, mais il portera pas le nom d'Anna, il s'appellera juste Larcher. Je suis contre cette mode ridicule. Il veut appeler son fils Adolphe et il parle de mode ridicule. Ben, je m'appelle Vincent Larcher, point. Je vois pas pourquoi mon fils s'appellerait Caravati Larcher. Ou dans ce cas-là, faut tout garder. Au bout de 3 générations, on aura des cartes d'identité de 600 grammes. En Espagne et au Portugal? Mais on s'en fout du Portugal! Il veut appeler son fils Adolphe, t'as entendu? Alors on s'en fout de ce qu'il veut mettre derrière! Mais pourquoi tu m'agresses? Ton frère veut appeler son fils comme le Führer. Et c'est moi qui suis agressif. Ah ouais. Ok, t'as sans doute raison. Plus j'y réfléchis, et plus je crois que je vais appeler mon fils Adolphe avec un F.